Bonsoir, nous sommes déjà à l'aéroport du Luxembourg en direction de Rome pour la canonisation de Charles de Foucault, qui est le patron de notre paroisse. Nous sommes ravis de participer à cet événement grandiose, vraiment où nous serons heureux de voir le saint patron de notre paroisse être canonisé. C'est un grand honneur pour la paroisse. C'est un grand honneur pour moi. Ça fait 17 ans qu'on attendait sa canonisation. Voilà, maintenant le grand jour est arrivé. Le Seigneur a voulu que je sois là pour y participer. C'est une occasion unique parce que je n'avais jamais participé effectivement à un tel événement. Il y aura du monde parce qu'on parle de 50 000 participants, parce qu'il ne va pas être canonisé tout seul. Il sera avec les autres. Donc, c'est vraiment merveilleux. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passe et comment ça se passe. Ce sera une manière de vous associer justement à cet événement vraiment qui est grandiose. L'aéroport du Luxembourg, je pensais que c'est un petit aéroport, mais finalement, il n'est pas aussi petit que ça. Mais surtout, c'est très propre. Et là, nous sommes à l'embarquement. Et c'est très bien, nous avons fini de faire le check-in, l'enregistrement. Voilà. Voilà, vraiment, je vous partage ça parce que ça m'est essentiel. Et j'aimerais être avec vous. Malheureusement, je vous demande de vous abonner pour que vous puissiez me permettre d'avoir 1000 abonnés afin de faire le direct. Sinon, si jamais vous auriez déjà fait, vous seriez déjà abonné, j'allais facilement faire une vidéo directe en le live. Mais là, je suis limité dans le temps. Dans l'espace parce que j'attends que vous puissiez aimer ça, faire l'abonnement, comme ça je pourrais faire des directs, même vous donner des enseignements. Je vais jouer le journaliste parce que je vais interroger certaines personnes qui seront avec nous, notamment les paroissiens qui sont partis avec moi. Une manière d'être en communion avec les membres de notre paroisse et les fidèles et les paroissiens qui, ce dimanche, vont fêter d'une manière très spéciale. Vous le savez très bien. Et ceux qui ne le savent pas, je vous apprends que sur la paroisse Saint-Charles de Foucault, cette fois-ci, la messe du dimanche, qui se tiendra à la basilique du Sacré-Cœur, va commencer par débuter par une prière à 10 h 10. Une prière qui sera animée par les paroissiens, par la chorale et par les organistes. C'est une très belle prière et ce sera une manière vraiment de vivre cet événement grandiose et unique sur la paroisse. Et puis, deuxièmement, je pense qu'à la fin de la messe, nous avons prévu un petit pot. Moi, là où je serai à Rome, je serai en communion avec vous, en union avec vous. Et c'est la grande joie que nous partageons avec tous les Français, parce que vous savez, Charles de Foucault, il est né à Strasbourg, il est vraiment français, et nous partageons ça avec tous les Lorrains, le Grand Est, et puis tous ceux qui sont de notre département de la Meurthe-et-Moselle. Où il est passé à la cathédrale, etc., etc. Et il y a des liens entre la vie de Charles de Foucault et le Sacré-Cœur. Bon, vraiment, ce sont des thèmes qui nous permettent et qui nous poussent vraiment à participer à cette canonisation qui nous est chère. Et effectivement, nous allons vivre de bons moments de grâce et nous serons en union de prière avec vous. Celui qui veut une prière, qu'il me contacte, qu'il m'envoie un petit message et certainement je prierai pour vous, franchement. Merci beaucoup, je vous laisse, je vais rejoindre les autres pour pouvoir justement préparer notre départ et c'est très 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 important.
voilà, je deviens pour le moment un petit journaliste. Mais aimez cette vidéo et puis abonnez-vous et puis partagez. N'hésitez pas de partager avec les autres pour que je puisse avoir 1000 abonnés afin de pouvoir faire des enseignements en direct au lieu d'enregistrer de petites vidéos. Merci. Au revoir. Un agneau de prière. Je vous bénis. À bientôt.